De report en report, la nouvelle saison sportive d'handball de la ville de Pointe-Noire a enfin été lancée ce dimanche 12 mai en matinée, sous les regards des compagnons anciens de l'handball et des membres de la FECOHAND. Un lancement qui a vu une rencontre en junior entre Nasport et Tchétché Sport qui ont ouvert les hostilités, tenant les amoureux de la petite balle de main au chaud après tant de mois d'absence. Le président de la Ligue départementale de handball a lu l'allocution d'ouverture tout en soulignant quelques difficultés que connaissent les athlètes pointe-noirs. Malgré de nombreuses difficultés, nous lançons aujourd'hui deux championnats départementaux. Je cite Madame Tichélé Evelyne Mbouépoati, qu'on a surnommée la reine du handball. Madame, en votre qualité de présidente du conseil municipal et maire de la ville de Pointe-Noire, capitale économique, nous sommes certains qu'avec votre implication personnelle, vous mettrez fin à la donnée dans laquelle est plongé notre sport en général et le handball en particulier. Par manque criard d'infrastructures sportives adéquates. Ensuite, le serment du sportif lu par Oyanze Clémence. Et enfin, le lancement officiel par le directeur départemental de sport. Je félicite donc les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cet événement sportif. Par la même occasion, je demande à tous les participants de faire prévaloir le fair play et mettre en avant le respect des règles qui vont régir ce championnat départemental. La chance est donc donnée à tout le monde et que le meilleur gagne. C'est donc par ces mots que je déclare ouvert les championnats départementaux de la Ligue de handball de Pointe-Noire. Je vous remercie. L'équipe de Tchétché Sport n'a pas assuré les 2 fois 30 minutes accordées, décevant ainsi ses supporters et amis. Profitant de la faiblesse de son adversaire, Nasport a pris le dessus tout le long du jeu, en laissant un écart de 18 points à la fin du temps réglementaire. Les catégories seniors entreront en compétition d'ici peu, comme nous l'a affirmé son président. Reste juste à souhaiter bonne chance aux athlètes.